Shalom, shalom, je suis le prophète Joël Grasso, le maréchal de la brigade anti-sorcier. Nous sommes à cette date du mercredi 10, mercredi 10 février 2016. Il est pratiquement bientôt 22h au moment. Nous sommes juste à l'épée juste derrière Montezo. Nous allons dans un village, il s'est fait tard. Nous allons sauver des arbres en tant que Maricha et la brigade, la brigade qui retourne la sorcellerie. Nous allons, n'est-ce pas, affronter un monde mystique dans ce village juste à côté. Afin de pouvoir arracher les âmes, n'est-ce pas, perdues à Dieu. Nous allons les délivrer, les âmes attachées, nous allons les délivrer. Et nous allons, n'est-ce pas, les amener à la conversion. Vous voyez le prix que nous payons. Voilà, ça, c'est le prix que nous payons par moment. Comme je disais, nous avons démarré les voyages. Voilà, donc nous démarrons le voyage ici. Nous sommes à l'épée du derrière Montezo. Vous voyez le village. Stop, on va descendre un peu. Voilà, donc vous voyez un peu la broussaille. Voilà. C'est pas facile. Voici le boulot. Voici notre boulot. Nous ne sommes pas qu'à Abidjan, ni à Bivo. Nous travaillons en fait pour sauver les âmes perdues. Voilà, nous allons délivrer Zongwen, nous allons délivrer tous les villages à partir de la Côte d'Ivoire et au Cameroun, partout. Nous allons dans le village pour les libérer. Nous allons affronter le monde de la sorcellerie. Je suis le prophète Joël Grasso, arraché contre ce fléau qui est la sorcellerie. Parce que l'être humain, il est cher, il a du prix aux yeux de Dieu. Et nous, nous restons nos bienfaits de sauver les âmes. Shalom, opération. Comme je suis ici avec vous, cher ami, merci de nous conduire, merci de nous faire.
Ben, je suis le prophète, moi, bon, je suis je suis le prophète Joël Crasso, à Chantilly de Faire Connaissance. Je suis prophète dans un domaine bien spécifique. Mon ministère consiste à la délivrance. Je fais la délivrance, à libérer les gens qui sont sous, n'est-ce pas, l'emprise des démons. J'ai dit un centre de prière basé à Dio. Et ce centre est suivi par 168 pays dans le monde. Donc j'ai eu l'occasion de suivre ça depuis l'Italie, il voit les mouvements. Nous voyons aussi, on voit la Côte d'Ivoire, l'Union européenne pour sensibiliser la diaspora. Il est vraiment important pour moi de venir ici. Parce que vous savez qu'on parle de l'hôpital, ce portail de vie, c'est la vie autour. Et un monsieur qui s'investit, des gens qui s'investissent dans la matière de développement, ils seront toujours objets d'attaque. Pourquoi? Parce que la sorcellerie est, n'est-ce pas, anti-développement. La définition de la sorcellerie, c'est lanceur de sort. Or, le problème clé de nous en Afrique aujourd'hui, c'est un problème de sorcellerie. Qu'on veut ou pas, c'est la sorcellerie. Les Blancs, vous voyez, les Occidentaux ont combattu la sorcellerie au Moyen-Âge. Je reviens de la France, je reviens d'une tournée européenne. Je suis rentré depuis le 8 décembre. Je suis allé derrière la France, qu'on appelle Rouen, où j'ai vu, où ils ont fait le procès de Jean d'Arc. Où Jean d'Arc a été brûlé à Rouen. Et j'ai rencontré pas mal de gens qui ont aussi parlé de la chasse aux sorcières. Ça a commencé du 15, 16, 17e siècle. Et la chasse aux sorcières a pris fin au 17e siècle. Ils sont rentrés dans un cercle de qu'on appelle le 18e siècle, le siècle de lumière et de la révolution industrielle. J'ai compris beaucoup de choses. J'ai compris. Les Blancs, c'est vrai qu'ils sont rentrés dans un monde de développement. Ils sont très, très en avance par rapport à l'Afrique. Parce qu'ils ont mené un combat farouche contre les forces du mal. Ils le reconnaissent. Ils reconnaissent ça. Et qu'ils ont mené un combat farouche. Parce qu'à un moment donné, à partir du 14e siècle, les entreprises commençaient à tomber, tout tombait à l'eau. Donc ils ont compris qu'il fallait combattre les forces maléfiques. Le 15e siècle ont mené le combat. Et ça a pris 3 siècles, sa portée, ça s'arrête au 17e siècle. Et les Blancs, qu'est-ce qu'ils faisaient avec les sorciers? Quand ils prenaient les sorciers, les brûlaient au bûcher. C'est-à-dire qu'on t'attrape, on te brûle avec tous les membres de ta confrérie. Ils ont mené un combat terrible contre la sorcellerie. Et sa portée, l'histoire nous dit le 18e siècle, le siècle des Lumières et de la révolution industrielle. Quand on parle de développement, vous allez voir toujours les anti-développements. Vous allez voir forcément des gens qui vont vous attaquer. J'ai une histoire, le prophète Crasso a une histoire, et je ne suis pas venu comme ça dans le christianisme, j'ai un témoignage. Je suis issu d'une famille musulmane, donc ma mère est plus malienne, mon père est côté des Gaillois. Voilà, j'ai vécu une histoire terrible en matière de la sorcellerie. Mon père, qui avait fait l'Europe en ce temps, va rentrer en Côte d'Ivoire et va aller s'investir dans le village où il a fait plus de 100 hectares de cacao, de champs de cacao. Pendant que ça devait rentrer en production, il y a eu feu de brousse. Donc tout est ensemble. Mon père ayant pris la nouvelle, va rentrer au village. Et lui, il était tellement colère qu'il a commencé à menacer tout le monde, la famille, menacer. Pas seulement connaître la sorcellerie. Ce n'est pas un combat qui est physique, c'est un combat qui est plus spirituel. C'est pour ça que la Bible nous dit, ce n'est pas ni avec la force ni l'intelligence, mais c'est avec la puissance du Saint-Esprit que les montagnes pourront se déplacer. Et mon père a menacé les gens dès qu'il est sorti du village. Sa voiture a fait de l'eau et il a eu deux fractures au bras. Et quand il est rentré en ville, il a échangé avec nous, ses enfants. Il nous a mis dans la tête que le village est synonyme de sorcellerie. Et plus jamais, il ne voulait plus jamais voir ses enfants au village, plus jamais qu'il voit des villageois chuter avec nous. Et mon père menait un combat terrible. On le voyait souvent amener des marabouts, des personnes du Bénin, du Togo, du Burkina, du Mali. Chaque mois pour nous protéger. Voilà, pour nous protéger contre la sorcellerie. Et puis un matin, nous avons perdu notre papa. En 93, le 23 juillet 93, mon père est sorti un matin, il allait se toucher. Et dans la bouche, on attend un grand cri. Il est tombé et il a poussé un cri. On me tremble. Sur le champ, tout le monde s'est levé. On part en force la porte de la douche, on voit notre papa, qui était en train de agoniser, dont le bras était au bout du cou. Et on sentait qu'il y avait quelqu'un, une force invisible, on sentait qu'il y a une personne qui est là. On ne pouvait pas cette personne, mais mon papa est en train de mourir. Et puis les forces étaient en train d'abandonner mon père, et puis c'est comme ça qu'il a rendu là.
en criant, on le prend. Il est parti. Donc on le prend de la douche, on le voit quand on est dans le salon. Mon frère est né, regarde autour de son cou, il voit des bleus. Il voit des bleus autour de son cou. Donc on comprend déjà que c'est une mort mystique. Moi, si je n'étais pas choqué, ça ne m'a rien dit. Je ne pouvais pas imaginer que mon père était mort. Donc du coup, il a peur de servir le confilet pour qu'on a connu mon père à la mort. C'est ce qui encore m'a choqué. Donc je ne pouvais pas accepter. Je suis vu mon père, le corps de mon père à la mort. En fait, on a encore bien. Et arrivé à la mort, après examen, je voyais le bordel qui était en train d'examiner le corps de mon père. Il touchait le corps de mon père. Il a saigné le nez. Il regardait au niveau de son cou. Et puis il me pose la question. Qu'il est étranglé parce qu'il est mort d'étouffement. Et là, j'ai fondu à l'âme. C'est là que moi, personnellement, j'ai fondu à l'âme. Je ne croyais pas à la sorcellerie. Franchement, ça ne me disait pas grand-chose. Parce que je suis né dans une famille modeste quand même, bien que mon père soit musulman, mais quand même dans une famille modeste. Moi, je ne croyais pas à la sorcellerie, en tout cas. Avec toutes ces pratiques que mon père faisait, je ne croyais pas. Et quand le morguier nous a balancé le médecin au visage, j'ai commencé à prendre la chose de sérieux. Et c'est là que j'ai commencé à prendre conscience qu'il y a une autre force qu'on appelle la sorcellerie qui s'existe. Mon père en parlait, il disait constamment, je suis en train de combattre, je sais que le combat est sorcier, mais je fais mes efforts, je ferai un effort pour combattre la sorcellerie, mais le jour où il n'y a plus d'efforts, je pense qu'il me prendra le dessus. Et mon frère l'a fait. Il a fait tous les combats qu'il pouvait faire en allant vers les occultistes, le maraboutage, ça n'a pas marché. Ils l'ont tué un bon matin. Il n'était pas malade, mon père n'était pas malade. Il est mort. Et pendant les obstacles, mon père, je suis bêté les Gallois et les musulmans, ma mère un peu. On a vu un peu la pratique de la sorcellerie pendant les funérailles de mon papa. Chez nous, il y a une tradition, chez notre tradition, quand quelqu'un meurt, il a forcément peut-être un héritier qu'on fait venir. On s'est dit, mais voici l'héritier. Donc on nous balance un héritier. J'ai choqué tout le monde parce que non seulement l'héritier, il ne connaissait même pas les enfants du défunt. Et puis depuis le vivant du défunt, il n'y avait pas cette rencontre pour nous présenter un soi-disant héritier. Donc les gens commencent à s'opposer. Pourtant, on calcule un peu l'argent, le patrimoine, ce que le père a laissé, ça peut valoir au moins 3 millions au moins. Au moins, ça peut quand même aider les orphelins. Mais du coup, on voit un inconnu, et puis d'ailleurs un villageois. Je précise bien un villageois, parce que le village nous faisait peur dans le temps. Voilà, aujourd'hui, j'essaie beaucoup de fierté, j'aime bien aller au village parce que c'est notre valeur, il y a tellement de bonnes choses à découvrir au village. Et le monsieur prend la parole pour dire, ben, salut l'héritier, il se présente aux enfants, on prend qu'un héritier. Donc on s'opposait à ça. Quand on a bien regardé, on a même demandé, ben, est-ce qu'il y a une présentation entre... Non. Ok. Mais pourquoi vous êtes héritier? Non, c'est la tradition, mais non, ça ne se verra pas comme ça. Et donc il y a eu un combat, ça a déclenché dans la famille. Après l'enterrement de mon père, il y a eu un regroupement familial, donc je me suis retrouvé en France, moi avec mes deux sœurs. Pour une étude, je suis allé en France pour étudier en hôtellerie. Et mon frère qui était ici est mort 6 mois après. Oui, il est mort. Et donc, tu es. Bon, ça ne m'a pas trop choqué parce qu'on a eu une semaine de maladie. Ce qui m'a plus me choqué, c'est la mort de ma soeur. C'est-à-dire, mon père est mort, mon frère est né d'ici, meurt. J'apprends après en 94. Mon père est mort en 93, le 23 juillet. Le 28 juillet 94, je perds ma soeur. Et on doit avoir la maison, n'était pas malade, elle allait se coucher les ventes. Lui, il est mort. Donc moi, j'ai commencé à avoir peur. Vous comprenez? Parce que mon père, après mon père, et mon frère aîné, et ma soeur. Donc justement, ma soeur est partie, donc c'est convaincu qu'elle allait m'attaquer. Donc j'échange avec les parents, ils veulent me rassurer, me faire oublier ça. Je suis convaincu que la sorcellerie existe. Regardez, on a l'impression que j'ai un mot en série, un tueur en série, qui est en train de tuer, qui a tué le père, qui a tué le frère aîné, qui a tué la sœur, et vous ne pouvez pas que je crois à ça. On me défend. Or, je ne savais pas comment me défendre contre la chose. Mais j'étais convaincu, à plus que tu allais m'attaquer. J'étais convaincu, je ne donnais plus, j'avais peur. J'avais peur. Et puis effectivement, en 94, en novembre, j'étais à Grenoble, pendant que j'étudiais en hôtellerie, j'ai une attaque. En plein coup, j'ai commencé à vomir sang dans la classe. Les gens fuient, ils pensaient que c'était la tuberculose, on fuit la salle, on me prend. On m'amène à l'hôpital après toutes sortes d'analyses, on dit que si vous n'avez rien. Et j'ai commencé à fondre la larme, pleurer. Et le médecin pensait que c'était avec des pleurs, avec une émotion. Or, j'étais convaincu que mes poumons étaient déjà infectés par la sorcellerie.
Une semaine après, je reprends les cours, la même chose se reproduit. On m'amène sur Paris, on fait toutes sortes d'examens pendant 4 mois, on ne voit rien. Or, j'avais une chose bizarre, c'est que les nuits, je n'arrivais pas à dormir. J'ai hurlé les nuits et j'ai vomi ce sang. Mais on n'arrivait pas à trouver le problème. Et bien maintenant, on me présente un spécialiste des poumons qui fait toutes sortes d'analyses. Il me regarde pas dans les yeux, il savait qu'il ne voyait rien. Et moi, je lui ai dit, je vais balancer son visage, j'ai dit, mon problème, il est purement spirituel. Et puis, il me regarde dans les yeux, il me demande, vous croyez à ça? Je lui ai dit, si, c'est la sorcellerie. Il dit, ça n'existe pas. Il dit, mais si, la sorcellerie existe. C'est vrai que ça n'existe pas pour moi. Mais c'est dans notre quotidien, dans notre réalité africaine, la sorcellerie existe. Il a dit, non, ça n'existe pas. Donc, il appelle ma tante pour qu'on me fasse un lavage de cerveau, une thérapie, pour me faire oublier ça. Et donc, je vois mes soeurs qui voulaient me convaincre. Non, il dit non, non. Me convaincre, c'est me livrer à la mort. De vous à moi, vous savez, vous êtes convaincu que la sorcellerie existe. J'ai même prédit la chose que mon père était mort, mon père, ma soeur, on voyait les choses. Je suis victime d'une action satanique. Et vous voulez me laisser entamer des blancs. Le plan ne comprend pas, c'est normal. Mais ce n'est plus dans sa réalité. Chez eux, ils ont combattu la sorcellerie. Du 15, 16, 17e. C'est comme ça que dans une zone. Nous, on vient, on parle ici, on ne peut pas parler d'Ebola parce qu'on ne connaît pas l'Ebola. Ça ne dit rien à quelqu'un. Mais une personne qui a vécu ça dans sa zone, qui va commencer à prendre l'Ebola au sérieux. C'est comme au Libéria, c'est la Lyon. Au Bénin, en Guinée, on parle d'Ebola, c'est vraiment quelque chose de très sérieux. Il dit, ça ne nous dit rien. On m'a mis la boutique, ça ne nous dit rien. On n'a pas vu quelqu'un mourir de l'Ebola, donc ça ne dit rien aux gens. Mais ceux qui ont vu l'épidémie commencent à prendre la chose au sérieux. Lui n'a pas vu la chose. Ils n'ont même pas vécu la chose, leurs parents ont fait qu'éradiquer la sorcellerie. Donc ce n'est pas dans son existence qu'il banalise la sorcellerie. Or, c'est une... ça existe. Parce que l'homme n'a pas que le côté physique. Mais l'homme a un aspect spirituel qui est important. Et c'est ce qui conduit l'être humain. Et vu ça, mes soeurs ont commencé à pleurer. Mais j'étais mis à vivre avec la mort. Je ne sais plus mettre la tête. Est-ce qu'il fallait aller vers au Mali? Parce que je suis connu côté malien. Non. Est-ce qu'il fallait aller chercher une tiche? Donc j'avais tous les tapis dans la tête. Parce que je dis depuis. Le monsieur qui a visité plus de petits chers, mon père, ils m'ont tué. Et donc, je n'ai plus, j'ai calculé, j'ai fait les calculs. Et quand une me posait ma présenté Jésus, elle me parlait de Jésus. Elle me dit, ton problème, il y a une personne qui peut résoudre ce problème, c'est la personne de Jésus. J'ai dit, mais comment Jésus peut résoudre un problème de société? Je vous assure, je n'avais jamais fréquenté une église. Ça ne me disait rien. Parce que je suis dans une famille musulmane, donc l'église, aller à l'église, ça ne me disait rien à ce moment-là. Or, j'avais un problème. Je cherchais une solution, on me disait que Jésus pouvait résoudre. Donc je tombe, je saute sur l'occasion. Et je dis, mais c'est comment il me dit, c'est pas la foi. Il n'y a pas de l'argent, rien à faire. Il dit non. Il faut aller à l'église. Je dis, mais c'est pas pour moi. Donc dimanche, je pars à l'église et je rencontre le pasteur. J'explique tout mon problème au pasteur. Il me rassure que ce n'est pas un problème. J'allais être humilié de ce mal. Effectivement, j'avais un problème. Quand je sors, je vomissais le sang, j'étais constamment humilié, les gens me fuyaient. Et la nuit, je ne pouvais pas dormir parce que j'ai hurlé. Je mourais à petit feu. J'étais en train de mourir à petit feu. C'est en train de me tuer. J'attends une semaine, je ne suis pas guéri. Maintenant, je trouve ça un peu bizarre. J'approche le pasteur après le culte, après une semaine, bon, j'ai calculé. J'ai dit, mais si Jésus va guérir quelqu'un, peut-être c'est un jour, deux jours, s'il n'a pas pu, parce qu'il n'a pas pu. Il n'a pas pu avoir le temps de tout le monde à la fois. Mais une semaine, c'est beaucoup pour lui. Non, mais une semaine, c'est trop. Donc une semaine, je ne vois pas, il dit, mais c'est que Jésus, là, il n'est pas efficace. Il ne guérit pas pendant une semaine, donc j'approche le pasteur, j'ai dit, pasteur, je suis pendant une semaine là, j'ai vu ma foi, je n'ai pas guéri. Ça veut dire quoi? Le pasteur me touche là, il me dit, mais est-ce que tu as la foi? Mais bien sûr, j'ai la foi, c'est pour ça que je suis à l'église. Mais je ne suis pas encore guéri, j'ai les mêmes symptômes, j'ai les mêmes problèmes. Il me dit, non, écoute, tu as le salut parce que tu as accepté Jésus. Mais si tu mourras aujourd'hui, tu as le salut. J'ai dit, pasteur, s'il te plaît. Ne me parle pas du ciel parce que ça ne m'intéresse pas. Je ne suis pas venu dans ton église ici pour parler au ciel. Ça ne m'intéresse pas. Le ciel, je suis en train de mourir des fois de sorcellerie, tu ne me parles du ciel. Ça ne m'intéresse pas. Je ne suis pas venu parler au ciel. Non, mais ça ne m'intéresse pas le ciel. Je suis venu parce que j'ai un problème de santé. Et je voulais un miracle de Jésus. Je vois que j'ai l'impression que Jésus ne peut rien pour moi. Donc c'est comme ça que j'ai retourné dans l'église et je suis parti. C'est quelques temps après, il y a Jésus camerounais. Une de mes camarades, ma cousine, qui m'a accroché. Elle veut parler, je lui ai dit non, non. Je ne veux plus entendre parler de Jésus. Cette histoire, j'ai déjà vécu l'expérience, c'est fait une semaine, Jésus n'a pas pu résoudre nos problèmes, c'est des histoires.
cette histoire de chrétienté se résiste. Voilà. Parce que j'ai vécu ma chrétienté, j'ai vécu ma foi. Elle a dit non, tu sais, je ne vais pas te parler, je voudrais que tu vives une expérience avec Jésus. Va, tu interroges Jésus, tu lui dis, je veux que tu me montres ceux qui sont là-bas, c'est le problème. J'ai dit, mais c'est grave. Est-ce que Jésus est capable de me montrer ceux qui sont là-bas? Elle dit, si. Parce que tout le monde était convaincu de la sorcellerie. Tout le monde savait. On était convaincu de la sorcellerie. On était convaincu qu'après moi, on devait prendre une autre personne. Parce qu'il restait une autre. Effectivement, après moi, je me suis converti, l'autre non Dieu. On a dit, si. Non, la sorcellerie, ce n'est pas du jeu. C'est ce qu'il dit aux gens, ce n'est pas du jeu. Quand quelqu'un n'a jamais été victime de ça, il banalise la chose. Ça ne lui dit rien. C'est ça que je vous encourage. C'est déjà quelque chose de grand. De vous voir ici en train d'aider les gens. Mais c'est comme Jésus pouvait dire, vous êtes parmi des brebis, parmi des loups. Voilà, au moment où vous travaillez, il y a des antilles. Pendant que vous soignez la personne, le gars il veut mettre son poison pour le tuer. Ah oui. Chez les maladies mystiques, vous pouvez rien comme ça. Avec toute ta connaissance scientifique, tu feras tout, mais rien. Il n'y aura pas un résultat. Parce qu'il y a le côté voleur mystique qui est à l'œuvre dans la vie de cette personne. Donc du coup, j'ai demandé à Jésus. Et j'ai dit, j'ai banalisé la chose, j'ai pas pris tout de sérieux dans cette prière. Je lui ai dit, Jésus, j'aimerais que tu me montres ceux qui sont là-bas. J'ai banalisé la chose. Il fallait quand même essayer quand même. Et 3 jours après, je fais un rêve. Et dans le rêve, je vois 6 personnes en train de me chasser en bouche. Et j'ai vu dans le rêve, ces personnes-là, je les ai vues avec les funérailles de mon père. On me rattrape. On met une gotte très bien, on me met un arbre, et puis on commence à me perforer les poumons. Donc un trou ici, un trou, trois, ici, trois, donc six, et je me suis levé, je suis tombé. J'ai commencé à avoir peur. Et j'ai vu cette personne-là bizarre au final de mon père. Donc du coup, la matinée, j'ai cherché à rencontrer la dame en question, j'ai dit, mais j'ai vécu une expérience cette nuit, et ben, c'est ce que j'ai vécu. Elle dit, mais est-ce que j'arrive à venir ici? Je cherche à connaître le nom de cette personne. La première chose, c'est d'appeler quelqu'un en Afrique et pour avoir le nom de cette personne. Donc j'appelle mon nom et j'explique. Il m'a dit non. J'ai fait le porteur de main. Il dit mais c'est un sorcier. C'est un sorcier dans les 6. Donc il confirmait la chose. J'étais déjà confirmé. Il dit mais tu sais quoi faire avec cette personne? Non seulement ça, ton papa est mort de ça et toi, tu vas venir faire quoi? Il dit non. Comme je dois me réconcilier la famille, je dois aller au village. Je dois avoir une présence pour tout le monde, pour m'intégrer. J'ai arrivé à le convaincre. C'est comme ça qu'il m'a balancé le nom de tout le monde. C'était pour les tuer. C'est pas pour m'amuser avec eux. Il fallait avoir le nom de tout le monde. Elle m'a dit qu'il fallait avoir le nom de tout le monde et puis on allait commencer une prière. Effectivement, j'avais vécu une première expérience avec elle. Il fallait faire la deuxième expérience. J'ai fait la deuxième expérience et j'ai dit mais je ne sais pas prier le nom de tout le monde. On va me donner. Je suis convaincu que c'est le nom de cette personne. On me donne le nom, elle me donne une Bible. Elle m'a dit, j'ai prié. Comme la première expérience avait marché, j'étais convaincu que la deuxième expérience avait marché. Moi, je prends la Bible, elle m'a dit le psaume 35. Ne dors pas. Ah oui. Tu pries de minuit jusqu'à 4 heures. Donc j'ai commencé, je promenais, je citais, je reprenais les versets jusqu'à 4 heures du matin. Je reposais. Tout contre, je ne me reposais pas parce qu'il y avait des poumons qui me faisaient très mal. Donc la nuit, je ne dormais pas. À la fin de la semaine, mon oncle m'appelle. M'a annoncé la mort avec un morceau. C'est là qu'a déclenché ma foi. Alors j'ai compris, j'ai dit, mais cette histoire du christianisme, c'est quand même sérieux. Au fait, c'est pour faire ressortir quelque chose, je vous dis, je suis devenu chrétien, pas à cause d'un verset de la Bible. Je suis devenu chrétien parce que, pas parce qu'il avait peur d'aller à l'enfer, non. Ou même je voulais aller au paradis, ça ne m'intéresse pas. Ni le paradis, ni l'enfer. Moi, je vivais ma vie. S'il y a le paradis, ok, je vais au paradis. Si je dois aller en enfer, je paie le prix de mes bêtises sur la terre. Mais oui, c'est dit dans ma tête. S'il y a l'enfer, ok, j'irai à l'enfer. Si Dieu est tout bon, mais moi, la religion, c'est vrai. J'étais dans une religion, mais je ne la pratiquais pas. Et moi, si l'enfer, il existe, ben oui, si je suis mort, j'irai à l'enfer. S'il y a le paradis, j'irai au paradis. Mais je venais de vivre une expérience avec Jésus. Or, on annonce que le monsieur est tombé et qu'il est mort. Et le monsieur, mon oncle, me dit, il n'a pas de chance. J'ai compris. C'était le résultat de la prière. Donc, du coup, j'ai eu zèle, j'ai commencé à prier et les gens tombaient. Et c'est comme ça que j'ai compris qu'il y avait du sérieux dans le christianisme. Il y avait une différence
entre le christianisme et votre religion. Et un matin, j'ai posé la question à Jésus. J'ai dit, j'avais deux expériences avec toi. Je veux me convertir, je veux vraiment me donner à toi. Si tu existes, je suis malade, guéris-moi. Et je vais te servir. Je dormais. La même nuit, j'ai vu dans mon rêve, j'ai vu Jésus, qui est descendu du ciel. Il est venu avec une coupe en or, il est venu jusqu'à mon niveau. Il m'a dit, mets-toi en genoux. Dans le rêve, mets-moi en genoux. Je me suis mis en genoux, il prend la coupe, il m'a rose la tête. Il m'a dit, je te consacre comme prophète. Pendant qu'il parlait, je devais être transparent comme lui, parce que Jésus, je le voyais transparent. Je vois au travers de sa personne, voir le mur, voir la computer, je suis transparent. Et puis, du coup, il a commencé à sourire avec moi, me donner des bonnes paroles. A commencé à prophétiser sur mon ministère et je me suis réveillé. Je me réveille, mon drap est trempé d'huile, mon matelas est trempé d'huile, des choses comme ça. Je pense qu'il est encore en train de faire rêve. Je me suis levé du lit, j'ai commencé à avoir peur. Je me lève, voilà, plus sur l'interrupteur. Et puis du coup, je vois une lumière du plafond qui me torche et qui dit n'aie pas peur, c'est Jésus qui vient de se réveiller. Donc c'est comme ça que j'ai rencontré la personne de Jésus. Amen. Je me suis converti véritablement. Et j'ai compris que ce n'est pas du jeu. Et j'ai compris qu'aujourd'hui, même le salut, c'est Jésus. J'ai fini par comprendre qu'il faut s'attacher à la parole de Dieu. J'ai fini par comprendre que c'est Jésus qui est au-dessus de tout. Et juste après moi, mon petit frère est mort, ils l'ont tué. Ils ne sont pas mis avec lui parce que c'est une majesté bien programmée. On me tuait, vous allez saigner toute ma famille. Et je suis le rescapé de la famille. Pourquoi? Parce que j'ai connu Jésus. Tous ceux qui sont morts dans la famille n'avaient pas Jésus. Moi, j'ai connu Jésus. Aujourd'hui, je suis encore vivant. Je prie Jésus. Et c'est une gloire. Amen. Amen. Je vais vous partager Jésus-Christ ce soir. Peut-être que d'autres vont à l'église. Mais je suis encore venu pour vous renforcer votre foi, vous édifier, vous dire, c'est vrai, on a toujours besoin de quelqu'un pour avancer. On a toujours besoin d'un soutien. La preuve, c'est que quand Moïse est allé prier sur la colline, il a eu le soutien de lui et de Aaron qui l'ont soutenu. Jusqu'au coucher du soleil, on a toujours besoin d'un soutien. Pourquoi? Parce que la Bible nous dit dans lui, dans Psaume 60, verset 14, avec Dieu nous ferons des espoirs et lui écrasera nos ennemis. Amen. Amen. Il y a des gens à qui Dieu a donné un don. Ils sont peut-être uniques au monde. C'est ce qu'il dit toujours, genre, chacun est unique. Tout le monde est unique. Et quand Dieu te donne un don, tu es unique. Notre don, c'est la destruction des œuvres de la société. Amen. Amen. Mon parcours n'est pas si faire ravage. Voilà. C'est comme ça que je suis. C'est mon don. Voilà. Vous aurez l'occasion de découvrir ça un peu par la grâce de Dieu, c'est mon don. Mais je suis venu prier pour vous, pour que Dieu vous donne assez de force. Dans ce boulot que vous êtes en train de faire, et en même temps que Dieu vous aide davantage. Parce que ce n'est pas facile. Non seulement ça, pendant que les gens sont en vie, vous vous retrouvez au village. Et vous savez, la plupart, c'est vrai que les gens disent que les Africains sont superstitieux, ils aiment toujours mystifier les maladies. Non, c'est pas tant, mais c'est parce que la sorcellerie, ils ont la capacité de donner des maladies. Moi, j'ai vécu une maladie mystique. La sorcellerie est devenue une maladie mystique. Ils peuvent vous donner des choses difficiles à tort pour penser que, ah non, ça va peut régler le problème. Et puis tu vois que la personne personnelle, elle est morte. Qu'on pouvait aider par la passe, et puis c'est compliqué dans ta tête. Tu dis, mais je pouvais sauver la personne, il a essayé, mais pourquoi elle est morte? Mais c'est ça. Il y a le volet, ce qu'on appelle le côté spirituel, qu'on appelle le côté de l'eau. Donc je suis venu, n'est-ce pas, par ma présence, pour que Dieu vous donne cette onction-là, afin que si vous êtes en face de ces cas mystiques, des maladies mystiques, pour que Dieu puisse vous donner davantage de l'eau. Amen. Amen. Voilà, parce que vous apportez la vie. Moi, l'hôpital ici, c'est la vie. On ne peut pas parler de développement sans santé. Ça n'existe pas. Ça n'existe nulle part. Dans un village où il n'y a pas de l'eau potable, vous allez avoir des maladies bizarres. Quand l'eau commence à s'installer, l'eau potable, il y a des maladies qui vont disparaître. Mais quand l'hôpital commence à s'installer, c'est fini. Le développement est là. Parce qu'on ne peut pas parler de développement sans santé. Or, c'est ce genre de truc-là que la sorcellerie attaque. Amen. Amen. Voilà, c'est ce genre de truc que la sorcellerie attaque. Mais le plus grand scientifique, c'est Dieu. Amen. Le plus grand scientifique, c'est Dieu. Jésus lui-même, c'est lui qui guérit. Amen. Amen. C'est lui qui est la guérison. C'est vrai que vous soignez, mais celui qui guérit, là, c'est Jésus. Voilà. Et celui qui apporte la caution, guérit, qui apporte l'onction de la guérison, c'est Jésus. Amen. Je suis venu, n'est-ce pas, vous édifier, vous dire, Dieu est capable de vous bénir
et Dieu est capable encore de restaurer l'hôpital, et Dieu est capable de délivrer encore l'hôpital. Amen. Alléluia. Amen. Soyez vraiment fortifiés. Il y a des choses, je n'ai pas de vous dire, vous effrayez. J'aurai l'occasion de partager ça avec lui. Mais soyez courageux, je sais que vous êtes déjà courageux, et que Dieu vous bénisse davantage, et que vous accorde accès aux missions, afin d'avancer. Moi, c'est mon don. Tu vas partir au nord, à Korogo, on va te parler du prophète Trasso. Tu vas partir à Grand-Laou, on va te parler du prophète Trasso. Tu vas aller à Zomouin, à Man, on va te parler du prophète Trasso. Je suis un homme arragé, arragé. J'aime pas la sorcellerie. Voilà. J'ai un don. Je suis dans un village, vous allez voir ici. Si je suis dans un village, ils sont sans, ils vont tout sortir. C'est le don. Ah, elle me regarde, elle est cassée, Dieu. Si, 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 si. Si. Dans mon centre, je les délivre. Pendant que je vais vous parler, elle est sortie dans mon centre, puis je sors de les soigner. Parce que la sorcellerie, c'est une maladie. Oui, la personne est possédée d'un démon, elle voit l'autre comme un abouti, comme dans mon jeu. Si, si, avec son crêpe. Accompagne le photo. Si, si. Je suis à 7000 sorciers qui les délivrent depuis 2006 que j'ai commencé le combat. Oui, 7000. Nous délivrons les sorciers, nous désemboutons les villages. Chaque homme de Dieu a son action. J'ai dit tout à l'heure dans la présentation, c'était vraiment magnifique. On dit le bienfilier, on dit cette équipe dans le monde. C'est comme ça. L'eau s'est fait comme ça. C'est comme ça dans le Seigneur. Chacun, n'est-ce pas, a sa fonction. Moi, je suis dans le domaine de la destruction et de la sorcellerie. Quand ils fatiguent les gens, c'est aussi chez moi, on les envoie. Quand ils viennent chez moi, je ne les dors pas. Je suis obligé d'enlever les dents qui mangent les gens. Ils me donnent les dents naturelles. Voilà. Donc je suis là, pendant que je suis là, je crois qu'il y a une onction particulière descend ici, tout le centre. Que vous voulez ou pas, vous apportez la vie. Oh, il y a des gens, eux, ils mangent les gens. Ils vont pas vous blesser les gens. De toute façon, tu manges poisson, ton et garba. Et ils mangent. Tu as venu quelqu'un, ils m'ont mangé, tu as venu les soigner, ils vont les tuer. Parce qu'on a déjà mangé. Mais pour dire, n'oubliez pas le côté du volet spirituel. Amen. C'est pour ça qu'on a toujours besoin d'une onction particulière pour nous faire avancer. Et que Dieu vous bénisse. Amen. Voilà, que Dieu vous bénisse. La grâce de Dieu demeure sur vous. Vous allez vous tenir debout, je vais prier le Seigneur. Afin que Dieu vous bénisse. Seigneur, notre Dieu, je veux encore te bénir et te rendre toute la gloire. Merci parce que tu es vivant et tout puissant. La Bible déclare que c'est avec toi. Oui, avec toi que nous faisons des espoirs. Et toi, tu écraseras nos ennemis, Seigneur, notre Dieu. Tu peux l'ouverture de ce dispensaire, notre Dieu, tu vois combien de fois il y a toutes sortes de difficultés. L'État affecté le médecin, l'État affecté, n'est-ce pas, le sage-femme, l'État affecté un infirmier. Mais rien ne bouge, il y a tout pour que ça démarre, il y a tout pour que ça bouge. Mais tout est bloqué, Seigneur. La Bible déclare que tout ce que nous délions sur la terre sera délié dans les cieux. C'est en ton nom que je délie tout ce qui a été fermé. Dans le nom de Jésus-Christ, j'ouvre maintenant les portes de la grâce au nom de Jésus. Je confonds les ennemis de l'hôpital au nom de Jésus-Christ en proclamant ta Seigneurie, afin que tous ceux qui vont vouloir s'élever contre l'hôpital en tant que parrain. Seigneur, merci parce que tu agis au nom de Jésus et je prie. Amen. Amen. Ici, la seule plateforme, c'est ici même devant la chair humaine. Ici, la seule marché de ce soir. Vous, c'est que nous avons besoin de vous effrayer. Et quand vous allez trouver dans un couloir, non. On va trouver. La peur n'est pas de Dieu. Vous comprenez? Il y a des choses que vous ne pouvez pas comprendre. C'est clair. Il y a des choses que vous ne pouvez pas comprendre. Nous avons les yeux spirituels. Voilà, nous avons les yeux pour voir les choses. C'est pour ça qu'un professeur est un voyant. C'est pour ça que quand il y a des difficultés, c'est un spécialiste qu'on envoie. Vous le savez que dans le corps, c'est un spécialiste qui vient, qui regarde, et qui regarde le problème. Pour nous, Dieu vous bénit davantage. Mais néanmoins, il y a des ennemis. Et c'est ce qui va nous aider le plus grand. Je vous remercie pour vous. Voilà, soyez bien. Qui s'est vu des dents? Hein? Moi, j'ai trop peur de dents qui s'en va. J'aimerais tellement manger du chocolat que, quand ma mère, j'ai tenté, j'ai crié. C'est les colons, c'est ça? Oui, soyez bénis. Maintenant, nous allons faire le travail de vous autres. Le travail, c'est le plus long. Oui, attention. Zéro. Ok, je m'appelle Dibia Ba Fernand, né à Abidjan, mais fréquenté à Ogloa pour ici.
J'ai eu la chance que la grâce de Dieu, avec mes amis italiens, on a pu faire ce centre. Ça veut dire que tu vis en Italie? Je vis en Italie. Okay. Depuis 1998. Dans quelle ville? Je suis à Vérone, okay. Principalement à San Bonifacio. Okay. Et en 2003, après mon mariage en 2002, j'ai décidé d'être le président des peuples des Mbato en Italie. Et cela à la commune de San Bonifacio, j'ai dit, bon, en Côte d'Ivoire, la guerre, mes parents ont besoin d'être soutenus. Ils m'ont dit, bon, d'accord, si c'est ça, on va trouver des médicaments et autres. J'ai dit, bon, là, pas de problème. Et j'ai demandé à ce qu'on nous aide, plus qu'au-delà des médicaments, ils m'ont dit d'envoyer un plan d'un hôpital pour voir ce qu'on peut faire. Comme s'il avait une grâce de Dieu qui tombait seulement sur moi. Alors j'ai vu Michel, en ce temps, n'avait même pas d'ONG, mon vice au Libye. Il dit, bon, envoie-moi des diapos et autres, on va faire quelque chose. Et il allait en deux bateaux, un autre là de l'autre côté, ils envoient des photos et autres, on les a présentés aux Italiens, ils m'ont dit non. Si l'hôpital a arrêté, c'est qu'il a un problème. Alors cherchons à faire un où il n'a pas de problème. En même temps, il dit, bon, il s'avérait que mon village était une sous-préfecture. Il dit, bon, trouvons quelque chose. C'est un hôpital, c'est le premier bâtiment qu'ils ont commencé ici en 80. Le petit là? C'est quel là? Non, bâtiment national. Un bâtiment national en bas là-bas. Ça continue. Ah, non, non, on ne voit pas ça la nuit là, non? Non, la nuit, on ne peut pas voir. Oui, en 80. Okay. J'ai dit, bon, envoie-moi le plan, je vais présenter ça aux Italiens là pour voir. Donc son grand frère qui est dans le domaine d'architecture a fait un plan que moi il a donné 50 000. Ici, ils ont fait le plein de poser aux Italiens. Ils ont vu, ah c'est bon. Ils disent, ah ça c'est bon, on peut faire quelque chose. Je suis allé voir dans les trucs, j'ai vu le président du conseil général dans l'épée, à Bouyanchot. Il a dit, bon, ce plan est trop petit. Le petit frère, le grand frère de Georges Aboké, m'ont fait un plan colossal. Ça là, comme ça, il n'y en a qu'à 10 qu'ils ont envoyé. Pour faire sans que c'était un problème d'argent. Mais Dieu toujours faisait grâce, mais je ne comprenais rien. Bon, pour moi, il me dit que c'était ma valeur. Quand le problème se posait, je faisais. Doucement, j'avançais. Et arrivé au moment, l'hôpital était arrêté. Tout était arrêté, rien n'allait. J'ai déboursé l'argent de ma poche encore pour convaincre les Italiens que les frais ici se donnent à faire. J'ai fait sortir 3 millions, après fait sortir 15 millions, après fait sortir 20 millions, tout ça là, pour que les choses avancent. Voilà. Et le dernier coup qu'on vient de finir actuellement, je suis allé voir au niveau de la banque, là-bas mes amis, on s'est débattu, on a trouvé près de un don de 110 000 euros. Voilà. Mais il fallait d'abord finir l'œuvre, montrer qu'on a fait pour que cet argent ne soit pas remboursé. Et pour ça, j'ai mis vraiment une pression. Au-delà de ça, moi, j'ai mis 30 000 euros dessus pour que le bâtiment puisse être fini et qu'on soit crédible. On a fini. J'ai fait tout pour envoyer une ambulance. J'ai fait tout pour envoyer la matinée. Tout ce qu'il fallait faire. Mais rien n'allait. Et dans les vidéos, mes amis me disaient que, ah, Bibi, voici un monsieur là. En tout cas, à Paris, on a vu le monsieur a mangé l'estomac de sa femme. Il faut écouter, tu vas voir. Et quand j'ai vu que ma maladie, le monsieur en train de soigner ma maladie. Il y a un centre qui en a tout dedans, rien ne marche. Et personne ne fréquente le centre. Et c'est ainsi que j'essaye de vous croiser. Mais au-delà de ce centre, moi-même, j'ai mes problèmes graves. Une plantation de 30 hectares qui ont lui-même. En parlant de centre. Tu vois là. Donc, j'ai vu que de mon côté, rien aussi n'allait. Oui. Je dis non, non, non. Ça, c'est un peu compliqué. Je vais envoyer un homme de Dieu. Parce que j'ai vu que ce qu'il sentait d'avoir, j'ai l'impression que je pense que c'est moi. Mais quand je prie petit seulement, je jeûne deux jours, ce qui est dément se manifeste. Mais je ne prenais pas ça au sérieux. Quand je viens et cours derrière les femmes de gauche à droite, je ne comprenais rien. Et quand je vous ai vu, depuis le temps même que je commençais par vous avoir, parler à vous au téléphone, les choses commençaient déjà par s'ouvrir. Et je sentais une force à moi. Je mobilisais les gens facilement dans l'hôpital. Et j'ai vu que les recettes même commençaient par avancer. Ça, c'est avant même que vous arriviez ici. Donc j'ai vu qu'il faudrait qu'un homme de Dieu arrive là. C'est pour cela que vraiment, j'ai cherché à vous croiser. Amen. Pour que vous voyez ce que Dieu peut passer par votre canal pour faire pour le centre qui est là. Amen. C'est clair, hein? Vous savez qu'on ne peut pas exclure Dieu du développement. C'est tellement clair. C'est lui qui est l'auteur du développement. On ne peut pas parler de développement sans santé. Nous sommes beaucoup touchés. Moi, ça m'a personnellement touché. De comprendre qu'il y a des personnes comme lui et l'autre, des personnes qui sont dans l'ONG, qui se battent un peu pour le bien-être de certaines personnes. Et malheureusement, vous savez bien que le diable n'aime pas ce genre de trucs. Au moment où les gens se battent pour eux, ils sont contre la chose, contre cette action. Nous venons aussi cette nuit pour sécuriser toute chose. Donc ça va nous permettre de voir un peu les maisons. Oui, c'est sûr. Ok, allons-y. On commence par la fin de la tournée. Ça, c'est quoi ici? Ah, je ne pas la radio. Pas la radio.
Mobile, à la radio. Ça, c'est la radio mobile. Ça, c'est la radio mobile. Ça fonctionne. Lui, il fonctionne. On a mis ça en marche. Okay. Stopper le truc. Je prie que la visite les prenne ici, que ta puissance se manifeste à un moment donné. Merci de donner gloire à ton nom, Jésus-Christ. Je communique la vie. Je communique la vie au nom de Jésus-Christ. Je communique la puissance de Dieu. Je commande aux esprits de libérer cet endroit. Je communique la puissance de Jésus. Merci Seigneur d'aimer te manifester. Il dit qu'il ne travaille plus les parties. Yeah. Ça fonctionne bien. Je voulais me venir faire mon examen de. Comment on appelle ça même fièvre typhoïde. Il dit viens. Les Italiens, hein? Oh, lui, quand il était là en route. Je vais montrer celui qui a mal à tourner ici. Comme nous dentaire. La fille a quand même. Bon, elle a une réunion. Je suis déjà dans la salle qui vient. Ben, on va prier pour vous. Non, pour elle ne finit pas.